toujours avec beaucoup de plaisir que je viens ici à Mans, parce que à chaque fois que je m'y rends, je me sens en famille. Et je voudrais vous dire merci pour ce sens de fraternité que vous me témoignez au quotidien. Et le vieil adage dit naturellement que les pieds vont naturellement où le cœur se trouve. Alors le cœur est là parce que cette fraternité, vous me la témoignez tous les jours que tu fais. Et je vais saluer mon frère Albert Mamintakus qui me loge à chaque fois que je viens, donc à Mans, saluer Sérifi Fonaté, saluer Blémadou, saluer tous les frères et toutes les sœurs, donc ici de la région de Mans. Merci pour votre fraternité à Marangoua. Merci à tous. Particulièrement heureux de procéder ce jour à la pose de la première pierre du futur centre hospitalier régional de Mans. Un moment symbolique important, à la fois pour les usagers des services de santé et les professionnels du secteur de la santé. Je voudrais donc saluer l'ensemble des acteurs qui se sont investis avec rigueur et enthousiasme à cet important projet dont le caractère social n'échappe à personne. Je suis venu à Mans déjà, ça fait près de 3 fois. Et à chaque fois que je venais, la préoccupation principale qui m'était posée était la question donc de la voirie. Donc après en avoir parlé naturellement avec le président de la République, donc nous avons été autorisés à lancer donc ce programme aujourd'hui. Mais ce programme va au-delà de Mans. Le président souhaite que toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, que ce soit des capitales régionales ou des capitales départementales d'une certaine taille, puissent bénéficier également d'un programme de réhabilitation ou un programme de construction donc de voirie. Donc aujourd'hui, nous lançons Mans, mais nous aurons l'occasion donc, de faire la même chose dans d'autres villes de Côte d'Ivoire qui attendent elles aussi donc, le bitume. Et c'est un élément de modernité. Et aujourd'hui, comme on sait, c'est la journée internationale du développement. Nous sommes en train de poser à Mans plusieurs actes qui sont des actes de développement. Développement au plan infrastructurel, mais développement également au plan social. Et je voudrais vraiment m'en réjouir et c'est une belle visite. Je voudrais dire aux populations de Mans que le chef de l'État pense à elle, en témoigne donc tous les actes que nous sommes en train de poser. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Pendant toute la durée donc, de ce séjour, vous apprendrez des nouvelles au fil donc, et à mesure. Toutes les populations de la région du Tonkin, et particulièrement de Mans, où j'ai eu l'habitude de venir et où, comme je l'ai indiqué donc, ce matin, j'ai toujours été accueilli avec beaucoup de fraternité. Nous avons au bout de ce séjour beaucoup d'actes de développement que nous posons. J'en suis extrêmement heureux, extrêmement fier. C'est l'orientation qui nous est donnée par le président et je crois que nous sommes totalement dans la droite ligne de l'orientation qu'il nous a donnée. Nous sommes en train de faire exactement ce que souhaite le président de la République. Être proche des populations et répondre aux préoccupations des populations. Alors que ce soit au niveau central, au niveau du gouvernement, ou que ce soit au niveau décentralisé,
avec les conseils généraux ou les différentes municipalités. En tout cas, merci et félicitations pour ce beau ciel et on reviendra pour une inauguration.